Nous, on travaille dans une discipline qui est la discipline des sciences cognitives, donc des disciplines qui s'intéressent à la manière dont on fonctionne d'un point de vue cérébral, d'un point de vue mental. Et plus particulièrement, notre approche est une approche d'ergonomie cognitive, c'est-à-dire qu'on va étudier la cognition telle qu'elle a lieu dans la vie de tous les jours. Donc on va regarder des activités de la vie de tous les jours et en particulier la conduite automobile. Et ce qu'on investigue, c'est les comportements des gens, la manière dont ils perçoivent l'environnement, donc leur comportement visuel, et puis l'activité aussi cérébrale. Et dans les projets qui nous ont occupés récemment, on s'est beaucoup intéressé à l'influence de l'automatisation de la conduite sur les comportements physiques, visuels et donc cérébraux. Et les résultats de ces recherches montrent que l'automatisation, elle transforme en profondeur la manière dont on se comporte. Ces modifications, on peut les voir aussi à un niveau cérébral, notamment en termes de zones activées quand on conduit une voiture manuelle ou autonome. Et donc, faire une transition de contrôle entre une conduite autonome et une conduite manuelle, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça engage des réseaux cérébraux, par exemple, qui sont différents. Donc nos recherches, elles sont importantes parce qu'elles permettent de comprendre les relations entre l'humain et les machines. On parle, nous, de symbiose homme-machine. On considère que la cognition humaine, elle ne peut se comprendre qu'au travers des interactions qu'on entretient avec nos technologies. Ça, c'est l'aspect un peu théorique. Et puis, d'un point de vue plus pratique, nos recherches, elles sont aussi intéressantes parce qu'elles s'intéressent à des situations réelles, donc de conduite automatisée ou autonome. Et donc, c'est des questions sociétales qui se posent parce qu'on développe ce type de véhicule et il y a des moments, en l'occurrence, où on a besoin de changer de contrôle. Et donc, voilà.